Salut les amis, bienvenue dans la suite de nos épisodes sur Assassin's Creed Odyssey. Donc aujourd'hui on continue les quêtes, avec Praxilia et son histoire de lyre qui s'est fait casser. D'aide pour réparer ta lyre ? Perspicace en plus. Regarde-la, le bois a souffert, le corps est fendu, je n'ai plus aucun espoir de l'accorder. Que peut-on faire pour la réparer ? Creusis accueille ce festival depuis longtemps, il fait vivre la ville. Et comme les instruments sont aussi fragiles que le cœur des poètes, il y a donc un maître luthier au port de Creusis. Pas trop loin d'ici. Et comme nous savons maintenant que ces collines sont dangereuses, j'aurai besoin d'une bonne protection. Je peux t'y accompagner. Je saurai te récompenser. Allons-y. Donc, je te suis, Praxilia. Il faut que j'escorte la dame. J'ai vu le port se transformer en bourg. Et un petit rassemblement d'amis devenir un véritable festival. Je m'y sens mieux que chez moi. Ton grand amour est une lyre, et ton foyer est un festival. Tu n'as jamais ressenti l'envie de t'installer ? Oh, ma douce enfant. Ma vie n'est pas aussi simple que tu l'as décrit. Comme Zéphyr, je suis vouée à aller où il me plaît. Mais il m'a coûté de le décrire. Alors, tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Bah, quoi bon vivre pour quelqu'un d'autre que soi ? C'est une vie d'esclave. Au mieux, de bêtes fidèles. Cela peut faire souffrir. Si j'avais mené la vie de tradition qu'on attendait de moi, à tenir un foyer, j'en serais morte. Mon cœur se serait fané et je me serais jetée à la mer. Je sais ce dont j'ai besoin. Du chef que j'avais oublié précédemment. Moins guindé que d'autres fêtes auxquelles j'ai assisté. Oui, Dionysos a pris nos offrandes destinées à Apollo. Canap de l'épisode précédent. Je comprends pourquoi on vient de si loin pour y assister. Ne te méprends pas. L'hédonisme a servi. Timika, où es-tu ? Mais par Zeus, qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Ah, l'odeur de la mer parvient presque à masquer ta puanteur, Timika. Praxilla, j'ai cueilli bon nombre de fruits pour te les jeter au visage. De vraies louanges venant de toi. J'ai besoin d'un service. Une espèce d'imbécile a enlevé à Kaikos. Il a besoin d'une nouvelle console. Cet imbécile ? L'imbécile tient une lance, d'accord ? J'ai engagé cette Mystios afin qu'elle me rapporte à Kaikos. Maintenant, elle me tient compagnie. Très bien. Passe-le-moi. Il a vraiment été malmené. Mais tu peux le réparer, n'est-ce pas ? Bien sûr que je peux. Tu ne trouveras pas meilleur artisan que moi en dehors d'Athènes. Le souci, c'est qu'Akaikos n'a rien d'ordinaire. Et ce n'est pas avec ce que j'ai sous la main que je pourrais le réparer. De quoi aurais-tu besoin ? J'ai ce qu'il faut pour le manche, mais l'ancien a emporté le joug et les cordes en se brisant. Ah, et la caisse de résonance est fendue, il va falloir la remplacer. Et qu'est-ce que je dois chercher ? Certains se servent d'os pour le joug et le manche, mais à mes yeux, rien ne vaut le bois. Les cordes sont faites en boyaux, et une sorte de coque résonnerait bien. Ces cordes ne ressemblent pas à des boyaux. C'en est pourtant. Trempées et étirées pour les affiner. Tu seras sûrement ravi de tuer quelques bêtes légendaires pour aider Akaikos à chanter. J'ai vu des lyres faites avec une carapace de tortue. Il n'y a pas beaucoup de tortues par ici, mais une conque bien solide ferait l'affaire. C'est quoi ? Un joug ? Et quel genre de bois te faut-il ? Le joug est la barre transversale à laquelle sont fixées les cordes. Oui, il doit se courber, alors mieux vaut un bois souple. Je crois que nous sommes tous de cet avis. Je vais revenir avec ce qu'il faut pour réparer Akaikos. D'accord, alors faut que je récupère des boyaux de loup. Apparemment. J'ai repéré un loup par là, je crois. Les loups sont des bêtes féroces. Je vais en étriper pour Praxilla. Ah.
J'espère qu'il y aura assez de boyaux pour réparer Akaikos. Alors, faut récupérer un coquillage. Où est-ce qu'on peut trouver du coquillage? Apparemment ici. Un coquillage, deux coquillages, et deux, trois. Maintenant il faut que je récupère du boulot blanc. Et pour trouver le boulot blanc, il va falloir que je me rende ici apparemment. Allez. Oula, oula. Voilà, voilà ce qui arrive quand on joue au malin. J'ai assez de bois pour faire une nouvelle lyre. Voilà, on a de quoi accomplir la quête. Avance. On va pouvoir lui rendre tous les matériaux pour qu'elle nous reconstruise la lyre correctement. Ainsi la quête devrait être réalisée. J'espère qu'on n'aura pas d'autres de ces quêtes de merde après. C'est pas le genre de quête que j'affectionne de partir à la recherche de matériaux. J'ai tout ce qu'il nous faut. Excellent, donne-moi ça. Fais-y bien attention. Quand j'en aurai fini, c'est moi qui le préférera. Ton doigté a toujours été trop... brusque. Eh bien, c'est la première fois qu'on me fait un tel reproche. Le voilà, plus resplendissant que jamais. Tu appelles ça du travail d'artiste? C'est tout bonnement du vol. Ah, tais-toi. Va plutôt assourdir les foules avec tes geignements.
Bon, alors, suite à un petit coup de téléphone, j'étais obligé de couper cette merveilleuse conversation pour la récupération de cette lyre. Je vais donc me rendre à 190 mètres pour la quête suivante. J'espère que ce ne sera pas une quête de merde cette fois-ci. On espère une quête avec un peu d'action. On va passer par là. Pourvu qu'il y aura de l'action. Alors, on retrouve donc la vieille avec sa lyre. Voilà la Mystios. Tu as le temps de nous accompagner, moi et Akalikos, pour notre triomphe artistique. Après tous ces efforts, je ne veux pas rater ça. Excellent. Faisons de nouveau équipe. Oh, nous sommes une équipe. Je serai donc payé. Après le spectacle, les drachmes ne manqueront pas. Elles pleuvront. Crois-moi. Tu as consacré ta vie à ton art. Ton œuvre doit être considérable. J'écris une centaine de poèmes chaque soir avant de m'endormir. Et j'en jette une centaine le matin au réveil. Quelques-uns, en revanche, ont survécu pour enchanter les foules. Et quels sont tes préférés? L'un d'eux a fait ma renommée. Il est cher à mon cœur. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi... c'est la lumière du soleil. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. Enfin, les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. Pas mal. Mais il faut qu'on y aille. Donc, les concombres. Le soleil nous offre le fruit des arbres, mais aussi la semence. Dans ce poème, tu parles de quitter le soleil. Pourquoi ? Ce n'est pas moi, c'est Adonis. À sa mort, on lui demande ce qu'il a laissé de plus beau derrière. Selon moi, il n'y a rien de plus beau que le soleil, la lune et les étoiles. Oh, et pourquoi lui demande-t-on ça? Adonis, c'est la beauté incarnée. Qu'est-ce qui pourrait être assez beau pour que lui-même le regrette? Je vois. Je crois que nous y sommes. Magnifique. Merci. C'est Praxilla! Je savais qu'elle devait venir cette année. Praxilla! Déclame-nous quelque chose! Cela fait des années que je déclame ce poème. Cassandra, me ferais-tu le plaisir de le redécouvrir en le récitant à ma place? Sûrement pas. Mais si, tu le connais assez pour lui rendre justice. Eh merde. Que diriez-vous? Je m'en doutais, c'est pour ça que je disais rien, j'étais en train de me concentrer sur ce qu'elle disait. Alors, le plus beau que je laisse derrière moi, c'est la lumière de la lune. Le plus beau que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Loué soit Apollon! Après, c'est ensuite, la lune. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. C'est vraiment l'un de mes préférés. Ah là, enfin, ça parle de poire, c'est ça. Les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. C'est de loin mon vers favori. Je suis heureuse que mon poème t'ait autant touché, Cassandra. Tu as déjà songé à troquer ta lance contre une lyre? Je vais en rester aux armes, merci. Sans un peu de grabuge, ce ne serait pas un vrai festival de poésie. Praxilla, mets-toi à l'abri. Je vais m'occuper d'eux. Oh, t'es level 37 quand même. Comment peux-tu tenir encore debout? Allez, on se
passe en mode rage. Là leur chef. Putain. Ils sont nombreux, hein. T'as compris, bon, chaîne. Oh là 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 là, ce que je me suis fait défoncer. On va recharger la dernière sauvegarde. Sans un peu de grabuge, ce ne serait pas un vrai. Allez, c'est reparti, on retente. Praxila, mets-toi à l'abri. Je vais m'occuper d'eux. C'est tout? J'ai l'impression qu'il y avait moins de gardes que tout à l'heure. Ça arrive tous les ans. Quelques crétins boivent trop de vin et y laissent leur... Je ne savais pas que les festivals de poésie étaient si animés. Oh que si. J'ai besoin d'un peu de calme pour me remettre. Retournons à ma tente. Tenons une fin heureuse. Praxila, il m'aura fallu de longues années de réflexion et de nombreuses nuits de larmes. Je trouvais que c'était plus simple mais que la première vague. On n'a pas eu le boss, on n'a pas eu l'ennemi en gris. C'est bizarre. Ton fils. Quand j'ai entendu le nom de l'homme qui m'avait pris ma lyre, je me suis douté que c'était toi. Un millier de fois, j'ai rêvé de te faire souffrir comme tu nous as fait souffrir, mon père et moi. Mais à mes yeux, tu n'étais que la mère frivole. Pas l'artiste que je viens de voir. Tout comme Adonis pleurait la beauté qu'il avait quittée, j'ai quitté ce que j'avais de plus cher à la mort de mon ancien moi. Tu n'es pas morte, et toi non plus. Saisissez cette occasion pour bâtir quelque chose ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est bien qu'il finit bien, on gagne un arc corné. Voyons voir les stats de cet arc d'ailleurs. Il est level 37 quand même, hein. Il est beaucoup plus haut niveau que le mien. Ouais, des dégâts de feu, ça m'intéresse pas. Je ne joue plus en dégâts de feu. Alors... pour la suite de nos aventures...
va déjà aller à ce lieu ici. Et on se retrouve dans un instant.
Alors, nous voici arrivés au point de vue. Encore une vue magnifique. Alors, on a la tâche d'une vie, une quête qui est juste à côté. On va aller se renseigner, voir ce que c'est. Détecteur que j'utilise là, ça me permet de savoir où sont les ressources. Par Zeus, sans toi, je crois que j'y aurais laissé ma vie. Heureusement que j'étais là. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Épi. Enfin, Épizélos, mais mes amis m'appellent Épi. Même si, en vérité, je n'ai pas vraiment d'amis. Moi, c'est Cassandra. Enchantée. Ma foi, tu as l'air de quelqu'un qui parcourt le monde. Et toi, tu as l'air de quelqu'un qui passe toute sa vie à lire. J'ai l'air misérable, je sais. Mais quand la découverte frappe à la porte, il faut bien lui répondre. Je possède une tablette mycénienne indiquant l'emplacement d'un site funéraire sacré. Je l'appelle la Grotte des Oracles. Tant mieux pour toi. Les Mycéniens étaient renommés pour leurs tombeaux raffinés, regorgeant d'objets précieux. Ah ! Précieux, précieux ? Des bijoux anciens, des dagues et des épées de cérémonie. Donc oui, très précieux. Si tu m'accompagnes, je te montrerai. Comment décliner une promesse de fortune ? Le destin t'a placé sur mon chemin, et nous allons faire route ensemble. Le destin a parfois le sens de l'humour, tu sais. Oui, mais à moi, il m'a souri en arrangeant notre rencontre. Ravi de l'entendre. Alors, tu étudies le contenu des rouleaux ? Non ! Enfin, oui et non. Je creuse aussi la terre. C'est le travail des paysans. Pour découvrir notre histoire. Parfois, cette fois-ci, je l'espère, cela révèle des merveilles enfouies. Bon, désolé de te dire ça, mais les pots en terre cuite, ça n'a rien de merveilleux. Moi, j'y consacre ma vie. Cela va bien au-delà des trésors à pied. Ah, vraiment? Ça en dit long sur nous. Et savoir d'où nous venons indique où nous allons. Ah, les érudits et leurs énigmes. Certains se moquent complètement du passé. Ils veulent seulement voler et gagner quelques drachmes. Tu te rends compte ? Oui, c'est à peine croyable. Mais semblables ne sont que des chasseurs de trésors et des marchands d'art. Eh bien, tu as parlé de bijoux précieux. Les ruines et reliques d'autrefois sont très difficiles à trouver. Seules mes recherches et mes déductions m'ont permis de trouver celles-ci. Dis-m'en plus sur elles. Les Mycéniens avaient des rites précis. Certains récits parlent d'objets créés par les dieux. Oui, les dieux aiment parfois fabriquer des choses. Pense-y, Mystios. Tu n'aimerais pas que les dieux te viennent en aide quand tu te bats? Un bon guerrier n'a pas besoin de l'aide des dieux, ni de qui que ce soit. C'est vrai, oui. Mais pense à ce que nous pourrions trouver. Tu crois qu'on pourrait trouver un objet recelant un pouvoir? Tu vois?
Ça t'intéresse, finalement? Oui, oui, ça m'intéresse. L'oracle de Trophonios. Je me demande si le culte sévit aussi ici. Apparemment, il y a trois trésors à trouver ici. Qu'est-ce que c'est? Fais attention. Il semble attiré par ce lieu. Je ne m'attendais pas à cela. Est-ce que c'est lié aux gens dont tu m'as parlé? Les Mycéniens? Je ne vois pas comment ils pourraient le savoir. À mon avis, c'est plutôt lié à Trophonios. Je vais les observer et tâcher d'en apprendre plus. Bien. Je vais aller voir à l'intérieur. Attends! Prends ce fragment de stèle. Vois s'il y a des inscriptions similaires. D'accord. Tu parles d'un site funéraire. On enterre les mules dans des endroits plus jolis. J'ai l'impression qu'on pourrait placer le fragment de stèle. Ouais, il y a une porte là-bas, donc on peut aller vers la porte, mais d'abord on va faire un petit tour par là. Voir si quelque chose se cache. Ça s'est activé. On va essayer de placer le petit morceau de stèle dans la porte. C'est un tombeau donc hein. C'est inattendu. Petite sauvegarde. Les tombeaux on n'aime pas, c'est dangereux, il y a toujours des serpents. Et des pièges à la con, mais surtout les serpents pour le coup qui nous font chier comme toujours. Ça ne bouge pas. Quelque chose bloque.
plus raffiné que je ne le pensais. Les trous comme ça, j'aime bien balancer plusieurs torches. Il faut avouer que la dernière fois voilà qui est mieux. Que je suis rentré dans ce genre de trou, il y avait des serpents de partout. Apparemment ce n'est pas le cas. Ces inscriptions rappellent la pierre des pies. Cette statue représente un guerrier. Epi va être excité en voyant tout ça. Oh, quelque chose bloque. Je crois savoir. Bleu. À tomber, hein. Quelque chose bloque. Voilà, plutôt comme ça. Il n'y avait rien d'autre dans ce tombeau, bizarre. Je me serais attendu à voir autre chose. Mais au final, il n'y a rien d'autre. J'ai beau faire des tours et des détours. Je n'en trouve pas plus. Pour moi, on a tout pris, je pense.
Ils disent qu'il y a des trésors, je crois, ici. Je regarde vite fait. Apparemment, tout a été trouvé. Nous sommes au bon endroit. Malheureusement, mon ami, il a été pillé. Je n'ai trouvé que cette armure. C'est un signe important. Les Mycéniens étaient une société de guerriers, tu sais. Alors ce doit être le tombeau d'un guerrier. Oh, eh bien, c'est une belle pièce, mais où elle reste? Ce n'était qu'un fragment de la stèle. Si nous trouvons les autres, je pourrai déchiffrer le texte. Et on trouvera peut-être d'autres parties d'armure. Mais le reste de la stèle peut se trouver n'importe où. Si je découvre d'autres indices m'apprenant où chercher, ça te dirait de trouver les autres fragments de stèle? Je chercherai les autres. Excellent! Maintenant, il faut que je voie ces inscriptions. Entrons. Je ne m'attendais pas à ce que la pierre principale de la stèle soit une clé. Je me demande ce qui se passera lorsqu'elles seront toutes en place. Même en ne possédant qu'un fragment de la stèle, je peux commencer à lire le message. Et qu'est-ce que ça dit? Je crois qu'il est écrit « des dieux ». C'est vrai? Quand je pense que tu criais à l'aide il n'y a pas si longtemps. Oui, et regarde-moi! Mais je crois qu'il va te falloir tous les fragments. Selon ceci, les fragments de la stèle ont été volontairement séparés. Je me demande pourquoi on a fait exprès de les diviser. Après tout, si on les retrouve, peu importe. Tu veux bien chercher les autres fragments de la stèle? Bien sûr. Où est-ce que je dois chercher? Selon ceci, le suivant est... Oh, heureusement que tu es là. Je ne sais pas nager. Va explorer les ruines d'Arnée. Il faut que je m'en aille. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à nous donner votre avis. Je vous dis à très bientôt dans la suite de nos aventures. Salut les amis !